Alors, bonjour, bonsoir. On va attendre encore quelques minutes, le temps que les autres arrivent, si ils arrivent, et puis après, on va commencer tranquillement le dernier cours de cette semaine. Alors, pour le moment, Judith est là, Victoria est là, Ashley est là, Claudia est là, je ne sais pas qui d'autre est parmi nous. Et puis, bon, on va attendre encore un tout petit peu, on va commencer. Bien sûr, j'ai quelques dictées pour faire plaisir à tout le monde. C'est le dernier cours de la semaine, donc il faut se faire plaisir. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va commencer. I just called qui dit bonjour, la leçon Zoom était amusante, c'est vrai. C'est vrai que c'était sympathique. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était assez amusant. Jean-Michel Ramirez est là, bonjour Jean-Michel. Ice Cubes, rebonjour. Ben écoutez, on va commencer si vous voulez. Bickert est là aussi. Alors attendez, oui, les quiz que j'ai mis, vous savez, les quiz automatiques, actuellement, je vais changer après, mais actuellement, c'est vraiment un niveau assez avancé. Donc, pour votre information, si vous avez eu des difficultés à faire les quiz, c'était normal, c'était un niveau C1, C2. Pendant le week-end, je vais commencer à lancer d'autres quiz automatiques qui seront à différents niveaux. Donc je vais faire A1, A2, B1, B2 et C1, C2. Donc vous pouvez choisir votre niveau et je pense que c'est peut-être un peu moins frustrant probablement. Voilà, donc on va commencer. J'espère que ça marche bien sûr. À vous la parole, comme d'habitude, regardez. On avait parlé de nourriture dans le cours de Zoom, donc on va continuer. Le plat que je ne peux pas manger, c'est parce que, d'accord, parce que. Oui, Ashley, c'était C1, oui, bah, oui, je suis désolé. Allez, on y va, continuez la phrase.
Alors, regardons ce que vous m'avez écrit. Je crois que c'est Julia qui a écrit la première. Le plat que je ne peux pas manger, c'est le pastis. Mais le pastis, ça se mange pas, Julia. C'est une boisson. Parce que c'est... Oh! Alors attention, quand on veut écrire des mots qui sont un petit peu limites, on les écrit correctement. Utilisez plutôt... Ce n'est pas bon. Alors, Judith nous dit les escargots, hein, parce qu'en général, on en mange plusieurs parce que... Je n'aime pas. D'accord, c'est bien écrit. Juste, Judith, mettez le pluriel, peut-être les escargots. Je pense que c'est mieux. Abir qui demande, est-ce que vous pouvez mettre le dernier dialogue de Zoom sur YouTube? Oui, je dois les mettre. Je pense la semaine. La semaine à mettre. Je vais mettre ça à bière, pas de problème. Ensuite, alors Jean-Michel nous dit le plat que je ne peux pas manger, c'est tout plat qui contient des oignons parce que je déteste les oignons. Ah bah écoutez, Jean-Michel, c'est parfaitement écrit. Alors, Ashley qui dit je suis en Suisse. Ouais. Mais je ne mangerai jamais de fondue, l'odeur me tue. Alors ça, Ashley, je dis non. Moi, j'ai mangé de la fondue en Suisse, c'était sympa. Non, c'était bon. Oh bon. Alors, Soumia qui nous dit bonjour. Bonjour, Soumia, vous pouvez participer au cours. Alors, Julia qui... Oui, d'accord, ça c'est des discussions entre eux. Hic nous dit, les plats que je ne peux pas manger sont les plats à base de viande. Mettez pas l'article ici, à base de viande, parce que je n'aime pas, Hic, on va dire, la viande, d'accord? En général, hein, vous dites, je n'aime pas la viande, donc, et c'est suffisant. Claudia qui dit, le plat que je ne peux pas manger, c'est... Tsermina, c'est une soupe dans la cuisine polonaise parce que ça contient du sang de canard et c'est la raison pour laquelle je la trouve dégoûtante. Ben voilà, Julia, vous cherchiez un adjectif, vous pouvez utiliser dégoûtant, dégoûtante. L'autre mot que vous avez utilisé, c'est un petit peu plus fort. On n'utilise pas ça dans tous les contextes. Ice Cube, ce qui nous dit, le plat que je ne peux pas manger. Faites attention, Ice Cube, plat, c'est PLAT, hein, comme vous voyez. C'est un plat avec un escargot ou un arthropode parce que ce sont des animaux très collants et moches pour manger. J'aime bien les icônes. D'accord. Bickert, le plat que je ne peux pas manger. Alors, le sou, c'est parce qu'il n'est pas délicieux, il est sale et je n'aime pas. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Sou, c'est une sauce? Bon. Alors, ensuite, bah écoutez, je pense que... Ah oui, après, c'est des discussions. Tiens, il y a quelqu'un qui a utilisé mon nom. Ça, c'est original. Quelqu'un qui s'appelle Vincent Lefrançois. Incroyable, c'est formidable. Les gens volent les identités maintenant, bravo. Alors, ensuite, regardez. C'est l'exercice d'écrivez là. Ouh, bah bien sûr, ça ne marche pas. Alors, on va prendre une petite seconde. Je vais vous mettre ça et ça va marcher. Donnez-moi une petite seconde, s'il vous plaît.
Et voilà, c'était un petit peu stressant. Je pense que c'était le fait de voir mon nom à l'écran, donc quelqu'un qui utilise mon nom, qui m'a un petit peu perturbé. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est pas la première fois, et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Allez, prenez s'il vous plaît une petite minute pour tout simplement décrire la photo. Alors, Sushmita nous rejoint. Bonjour Sushmita. Alors, Ikwikram était la première à écrire la phrase « Il y a une maman avec sa fille qui font laver ses vêtements avec la machine à laver ». Ouais, faites attention, Ik, quand vous utilisez ici « ses vêtements », en fait, le sujet, il est pluriel. Donc, ça va être leur, c'est-à-dire que c'est pluriel de chaque côté. Vêtements, c'est pluriel, et la fille et la maman, c'est pluriel. Donc c'est leur vêtement. L-E-U-R-S. D'accord ? Donc il y a une maman avec sa fille qui lave. Et là, c'est la même chose. On va utiliser plutôt le verbe laver, c'est-à-dire on va le conjuguer L-A-V-E-N-T, leur vêtement.
avec la machine à laver. D'accord? Ensuite, Victoria nous dit, c'est le bonheur d'une mère avec l'affection de sa fille. Oh, c'est formidable. Victoria, c'est vraiment bien, bien écrit. La seule petite chose, c'est l'accent. Normalement, c'est un accent grave que vous allez mettre pour mère. Ce n'est pas un accent aigu. D'accord? Ensuite, on a Curtis qui nous dit, la mère de la fille fait la lessive, mais elle veut aussi donner un bisou à son enfant. Eh bien, écoutez, ça c'est formidable, pas d'erreur, tout est parfaitement écrit. Jean-Michel qui nous dit, la mère et sa fille font la lessive et elles en profitent. Ouais, c'est formidable aussi. Vous écrivez vraiment tous très bien là, hein? Julia, une petite fille sans sa mère pour vérifier si elle a mangé. Alors attention, Julia, fondue, c'est féminin. De la fondue avec un E à la fin. Fondue. Si oui, elles sont... Elles vont laver tout et tout, d'accord? Bickert, je vois dans la salle de bain. Alors, si vous pensez que c'est la salle de bain, d'accord? Faites attention, Bickert, salle de bain, on écrit B-A-I-N, d'accord? Donc, je vois dans la salle de bain une mère et son enfant, peut-être? Ou est-ce qu'une mère est avec son enfant, d'accord? Le garçon. Idée est sa mère. Ça, j'ai un doute, je ne comprends pas trop. Bickert, le garçon, idée est sa mère. Est-ce que c'est aider? Je ne sais pas. J'ai un doute, Bickert. Ice Cubes, il y a une photo d'une mère et sa fille dans une chambre avec une lavaligne. Est-ce que c'est un lave-linge? Un lave, c'est masculin. Un lave, LAVE, et après plus loin, linge, LINGE. Probablement, ça c'est pas du français, ça c'est de l'italien ou de l'espagnol. Probablement, elles sont en train de laver les choses dans le grand panier. Ouais, faites attention, les choses, c'est juste CHOSES. S-E-S, hein, il n'y a pas le I. Joseph, bonjour Joseph, vous pouvez participer. Finzark, la fille embrasse sa mère, elle peut sentir. Ouais, faites attention parce que Finzark, sentir, c'est pas pronominal. Hein. Elle peut sentir l'odeur du savon. C'est parfait. Claudia, dans la photo, il y a une femme et sa fille qui lui fait une bise, d'accord? Elles sont dans la salle de bain. La femme est en train de faire la lessive, mais elle est arrêtée par sa fille qui veut jouer avec elle. Magnifiquement écrit, merci beaucoup. Ashley, qu'est-ce que vous écrivez? Tout ce que tu fais, c'est manger, faire et me rendre fou. Ben faites attention, on ne dit pas fou, Ashley, parce que c'est une femme. Donc vous allez mettre folle, Folle. Ne change jamais, ma fille. Alors, I just called nous dit, il y a une mère et sa fille dans la salle de bain. Il y a des vêtements sales, machine à laver. D'accord, très bien. Machine à laver, pourquoi vous mettez juste à la fin comme ça? Il y a des vêtements sales dans la machine à laver, peut-être? Joseph, une petite fille et sa mère sont en train de faire du ménage, le ménage. En général, c'est plutôt la lessive, là. Voilà, très bien. Alors, I just called nous dit un train de. Ouais, I just called, en général, on utilise en train de. Entraide, de. En train de. Et c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est progressif, quelque chose qui arrive. They're in the middle of doing something, they are doing it. C'est ça l'idée, hein. L'idée, c'est vraiment qu'elles font l'action actuellement. D'accord? Donc c'est ça. En train de,
Et après, vous mettez le verbe. Je suis en train de parler. I am talking. Je suis en train de parler. D'accord? Alors, ensuite. Joseph, what is the meaning of hebdomadaire? It's weekly, weekly. When is it used? It can be used as a noun, un hebdomadaire, un hebdo, or then it can be used as an adjective if you want. D'accord? Mais je ne peux pas faire répondre à toutes les toutes les questions. Regardez, j'espère que ça va marcher parce que j'étais perturbé par le fait de voir quelqu'un qui utilise mon nom. C'est pas très sympa, je trouve. Mais bon. Donc, on va faire des dictées. D'accord? Si normalement ça fonctionne, mais je ne sais même pas si ça va fonctionner. Alors, on va faire des dictées. Est-ce que vous êtes prêts pour la première dictée? Alors, comme on avait fait tout à l'heure, je vais vous lire des phrases qui sont des phrases courtes. Je vais les lire deux fois et vous allez écrire ces phrases courtes. Alors, attention, attention. La première phrase, donc ce sera un petit peu comme aujourd'hui, des citations, des proverbes, des choses que Julia a considérées philosophiques. Numéro 1. L'art est un jeu d'enfant. Numéro 2, l'art est un jeu d'enfant. Allez-y. Alors, prenons le temps maintenant de regarder ce que vous m'avez écrit. Et donc là, logiquement, si ça fonctionne, mais c'est toujours pareil,
Aujourd'hui, c'est vraiment comme tous les jours. Regardez! Et c'est comme ça. L'art est un jeu d'enfant. Donc la première chose qu'il fallait regarder, c'était l'art. Donc l'art, faites attention, Batoul, vous l'avez écrit avec un C. Et en fait, c'est autre chose. Un arc, c'est une arme. Ici, on est à la recherche de l'art, L-A-R-T. Le T final n'est pas prononcé. Rory, l'arc-en-ciel. Non, c'est pas ça. Donc, l'art, L-A-R-T, donc avec l'apostrophe, est un jeu. On est d'accord que c'est J-E-U, pas de problème. Faites attention, Ice Cubes, c'était jeu, J-E-U. C'est le substantif, un jeu. Et d'enfant, nous sommes d'accord que c'est d'enfant, pas de problème. Bon, voilà, ben je pense que la plupart d'entre vous avez trouvé. Je suis en train de regarder. Oui, Victoria avait pas entendu être un jeu, donc j'avais fait la liaison. Joseph, c'est pareil. Faites attention, Joseph, c'est pas un joue, hein, mais c'est vraiment un jeu. Ashley, c'était bon, ouais, jeu, il n'y avait pas de problème. Rory, l'étrangère d'enfant, c'était un petit peu. Non. Et Julia, c'était pas l'arc, hein, c'était vraiment l'art. L'art est un jeu d'enfant. Alors, regardons maintenant. Tiens, ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir peut-être à. Oh, je ne sais pas à qui. On va voir. Numéro 1. Philosopher, c'est douter. Numéro 2. Philosopher, c'est douter. Là, ça doit être rapide normalement, hein. Alors oui, regardez, quand en fait vous entendez ici, vous allez voir que vous entendez à deux reprises le et. Donc philosopher, bah là on l'utilise, ici c'est la forme infinitif, hein, donc c'est le verbe philosopher, l'acte de faire de la philosophie, c'est philosopher. C'est, et après on va mettre. Là aussi, un autre verbe qui sera un verbe à l'infinitif, et c'est le verbe douter. Donc, philosopher, c'est douter. Il y a certaines personnes qui m'ont écrit duty, alors je pense que c'est parce qu'ils ils ont la correction orthographique activée en anglais sur leur téléphone ou leur tablette. Faites attention, hic, c'était pas philosophie, mais c'était philosopher. Hein, et là, c'est vraiment le verbe. C'est le verbe. Il y a un verbe. Et donc après, c'était douter. Ouais, et là aussi, c'est aussi le verbe. Oui, philosopher, Julia, c'est l'action de faire de la philosophie. C'est un verbe. Ensuite, Finzark doit se réveiller tôt demain matin. Au revoir, Finzark, et bonne nuit. Victoria nous dit philosophie et doute. Faites attention, Victoria, on prononce vraiment ici comme philosopher, hein, et donc c'est douter. Allez, on continue avec le suivant. Ouais, ça c'est pas mal, je trouve, comme phrase. On verra ce que vous en pensez. Alors, première lecture. Nos actes nous suivent. Deuxième lecture. Nos actes nous suivent.
Troisième lecture, encore avec les liaisons, nos actes nous suivent. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, regardons ce que vous proposez. Je vais vous copier ça ici. Regardons justement cette phrase. Nos actes, je pense que c'était presque clair. Faites attention. Alors, Abir, Rory, Ashley aussi. Faites attention en français, acte. On va vraiment l'écrire avec un E. Et donc ici, c'est le pluriel, donc on met un S après. Donc là, on a déjà la liaison « nos actes ». Joseph, vous avez écrit le verbe « nous actons » et phonétiquement, c'est différent. Hein. Moi, j'avais prononcé « nos actes hein, », donc avec la liaison « nos actes ». C'est vraiment ça, « nos actes ». Après ça, on a le verbe « suivre ». Donc le verbe « suivre ». On va le conjuguer au pluriel parce que le sujet de suivre ici, c'est nos actes. Donc, c'est la troisième personne du pluriel. Il ou elle, au pluriel, suivent. S-U-I-V-E-N-T. Donc, ils suivent, elles suivent. Et donc, nous, entre les deux, c'est-à-dire juste avant le verbe, nos actes nous suivent, d'accord. Pour l'instant, il y a quelques personnes qui l'avaient bien écrit. Je vois notamment Curtis, c'était bien, ouais. Faites attention, Jean-Michel, c'était presque parfait. Abir, Julia, c'était presque parfait aussi, mais il y avait acte et nos, c'était un petit peu bizarre pour Julia. Joseph, oui, c'était le acton. Ashley, c'était acte et c'était le verbe, faites attention, vous devez conjuguer hein, vraiment le verbe. Alors, attention, nous continuons. Première lecture. L'analyse tue la vie. Deuxième lecture. L'analyse tue la vie. Troisième lecture, l'analyse tue la vie. Allez-y, s'il vous plaît.
Alors, regardons, je vais vous le mettre. Ça, c'était pas facile. Ces exercices sont assez difficiles. Donc, premièrement, vous êtes très très courageux de les faire. Regardez, ouais. Parce qu'en fait, donc, bon, l'analyse, ça, c'était pas très très problématique. Souvenez-vous que c'est avec un Y, pas un I, que c'est avec un S, pas un Z. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, qui est un petit peu plus difficile, en fait, c'est le verbe. Et ici, le verbe, c'est tuer. Et donc, le verbe tuer, on est obligé de le conjuguer. On va conjuguer le verbe tuer à la troisième personne. Tu. Donc on écrit T-U-E, mais finalement on prononce tu. D'accord? Et après ça, vous avez la vie. L'analyse tue la vie. Alors, c'était un petit peu difficile. Il y a plusieurs personnes qui ont proposé une version intéressante, c'est-à-dire l'analyse tue la vie, like you live it. Bon, phonétiquement en tout cas c'est correct, c'est juste que le verbe il est mal écrit, mais ce serait possible. Je regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'avait bien écrit? Mouche, mouche 3, presque, c'était l'analyse. Ah oui, Curtis, vous avez bien, bien écrit, tu l'as vu. Curtis il l'avait, c'est Samantha, il l'avait. Victoria, presque, c'était tout la vie. Donc, ouais, celui-là était un petit peu difficile. On va juste essayer encore un autre. Écoutez, je vais lire trois fois aussi. Première fois. Un ami, c'est un autre moi. Je répète. Un ami, c'est un autre moi. Troisième lecture. Un ami, c'est un autre moi. Allez-y. Pour répondre à votre question, Ashley, non, c'était pas du subjonctif, c'était tout simplement un présent, hein. Donc, j'attends vos réponses. Merci beaucoup, Julia. Julia est devenue membre. Vous pouvez faire comme elle. Merci. Alors, prenons le temps de regarder la phrase. Et puis après, je pourrais peut-être répondre à Ashley. Pourquoi vous ne connaissez pas Ashley, dis-tu, pourquoi je ne le connais pas? C'est un verbe, c'est verbe régulier, hein, tuer, hein, T-U-E-R. Je tue, tu tues, il tue, nous tuons, vous tuez, il tue. Bah, on ne l'utilise pas très très souvent non plus, hein. Il faut être objectif. Alors regardez, normalement à votre écran, vous voyez maintenant la phrase. Donc je regarde vos réponses en même temps. Un ami, ça je pense que c'était à peu près correct. Je vois, alors Julia, faites attention parce que c'était le masculin. Rory, c'est la même chose, hein. Un ami, i. Hein, ne mettez pas le E parce que le E, c'est la forme féminine, donc ça voudrait dire
avec l'article féminin une amie, IE. Là, je dis d'accord. Ici, c'était le masculin. Donc, c'est pas de E à la fin. Je regarde les autres. J'ai l'impression que c'était assez bon. Un ami, donc c'est un autre. Pas de problème. Faites attention, c'était moi. Hein. C'est pas moins. Alors, Joseph nous avait proposé moins, mais non, c'est pas ça, Joseph, c'était vraiment moi. Classis nous rejoint. Bonjour, Classis. Un ami, c'est un autre moi. Alors, faites attention, Classis, j'avais fait la liaison. Hein, et quand j'ai fait la liaison, vous entendez un autre. Mais en fait, c'est un autre moi. D'accord, un ami, c'est un autre moi. Ensuite, je ne sais pas, et quelqu'un qui demande quelque chose. Des fois, c'est bizarre. Alors, faites attention. Ah, mouche mouche, faites attention. C'est un ami, c'est donc c'est apostrophe EST, hein, un autre moi. Très bien. Bon, bah écoutez, Ashley, vous me demandez ce que ça veut dire. Je vous dis ce que ça veut dire. Attention, attention. Phrase suivante. Je vais la lire trois fois aussi, celle-là, je pense, parce qu'elles sont un peu difficiles, peut-être. Première lecture. Le vin est le miroir de l'homme. Deuxième lecture. Le vin est le miroir de l'homme. Troisième lecture. Le vin est le miroir de l'homme. Allez-y. Alors, regardons, pour l'instant, je ne vois que des bonnes réponses. Je regarde, je regarde. Attendez, la première personne à avoir écrit, je crois que c'était Ashley. Donc, le vin. Faites attention, Ashley, parce que c'était le verbe être. Hein, c'est est le miroir. Hein, et miroir, on l'écrit, regardez, comme vous voyez à l'écran. Ice Cube, c'était la même chose. Ice Cube, faites attention, c'était le verbe être. Hein, le vin est le miroir de l'homme. La différence phonétique, hein, si vous écrivez comme vous écrivez, c'est-à-dire ET, je vais le prononcer et. Et quand je prononce le verbe être, ici c'est beaucoup plus ouvert, c'est est. Le premier est, le deuxième est. Et donc ici, c'était le verbe être. Alors je sais, c'est pas une grosse différence, mais le vin est, donc là c'est le verbe être, le miroir de l'homme. Joseph, c'était presque parfait. Faites attention, l'homme, hein, c'était, vous regardez l'écran, L apostrophe HOMME. Julia, c'était, alors c'était. Oui, c'était correct. Après, Julia veut discuter
Si elle est d'accord ou pas, on peut discuter de ces choses-là, mais cela, c'est la dictée. Hic, le vin est le miroir de l'homme, c'est bien. Berilla, 71, c'était bien, ouais. Juste un R, un miroir, mais ça, c'est pas grave. Abir, c'était bien aussi. Curtis, c'était bien, Curtis, ouais. Je regarde Classis, faites attention. C'était le est, donc c'est le verbe, hein, verbe être, et miroir, regardez, vous avez juste mis les lettres dans le mauvais sens. Jean-Michel, ouais, faites attention, Jean-Michel, c'était juste miroir, regardez. Irène, le vin est le miroir de l'homme, c'est parfait, Irène. Victoria, ouais, Victoria, c'était le vin, d'accord, la boisson. Claudia, c'était bien. Bickert, c'est bien. Rory, d'accord, qui pose une question pour devenir un membre. Il faut cliquer. Cliquez, Rory, il faut cliquer. Ashley, ah, Ashley qui veut que j'explique l'idée, hein, de ce proverbe ou de ce dicton. Ashley, c'est que quand vous allez boire. Donc, quand vous allez devenir ivre, vous allez montrer votre véritable nature. C'est-à-dire que si vous êtes agressif, naturellement, vous deviendrez agressif quand vous buvez de l'alcool. Donc, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas si c'est les, s'il y a des dictons ou des proverbes comparables dans vos langues, mais voilà, donc c'était celui-là. On va continuer avec une dernière phrase, et là c'est vraiment la dernière. Alors attention, je vais la lire trois fois. Premièrement, l'homme est un animal social. Deuxième, l'homme est un animal social. Troisième lecture, l'homme est un animal social. Allez-y. Alors, on va faire la même chose. C'est très très mystérieux parce que systématiquement, YouTube avait bloqué tous les commentaires avec cette phrase. J'étais obligé d'activer manuellement tous les commentaires. Donc, voici la phrase. L'homme est un animal social. Quand on parle de l'homme, alors je ne sais pas comment c'est dans vos langues, mais en tout cas en français, dans ce type d'expression, l'homme, ça n'est pas la personne de sexe masculin, c'est l'être humain en général. Donc l'homme, là, il n'y avait pas de problème. Tout le monde l'a bien écrit. Ensuite,
le verbe. Donc là, il n'y avait pas de problème. Un animal, c'était bien. Ensuite, social, on le met comme ça. Jean-Michel nous avait proposé sociable, qui a une autre dimension, hein, on est d'accord. bon, j'avais prononcé social, j'avais pas prononcé sociable, mais sociable, ce serait tout à fait correct, hein, et c'est préférable, Jean-Michel, qu'il soit sociable. Alors, je regarde, mais je pense que vous avez vraiment bien. Bien tout écrit. Claudia, c'est bien. Ashley, c'est bien. Hic, c'est bien aussi. Donc Jean-Michel, il y avait juste le sociable, bleu. Mais sinon, le reste, c'était parfait. Abir, c'était bien. Curtis, c'est bien. Claudia, pas de problème. Ice Cubes, parfait aussi. Joseph, très bien. Rory, c'est bien aussi. Irène, c'est parfait. Bickert, c'est. Oui, alors Bickert, faites attention, c'est juste animal. Regardez, vous avez mis le E à la fin, mais c'est phonétiquement, c'est pas grave. Hein. Ne vous inquiétez pas. Victoria, oui, Victoria, c'est bien aussi. Et puis après, il y a des discussions. Après, ça commence à discuter sur les hommes et les femmes, etc. Alors. Bon, en tout cas, tenez, vous m'avez demandé où était, je ne sais même pas si ça marche, j'espère que ça marche, voilà. Si vous voulez devenir membre, c'est ici que ça se passe. Donc vous cliquez et vous pourrez devenir membre. C'est une façon de devenir membre, de faire partie de cette grande famille que nous avons maintenant. Bon, je vous remercie en tout cas. On va faire une pause, donc ça veut dire que ce week-end, je ne ferai pas de cours. Je vais mettre les quiz, comme j'avais expliqué pour tout le monde. Cette semaine, j'avais mis des quiz qui étaient un niveau supérieur, qui étaient un niveau C1, C2. Avec beaucoup d'expressions, avec beaucoup de... c'était assez difficile, c'était pour vous donner cette possibilité-là. Je vais en proposer qui seront à peu près au même niveau qu'il y a 2 semaines maintenant, c'est-à-dire niveau B1, B2. Donc je vais commencer juste, je pense, demain. Ce soir, ça va encore être du C1, C2. C'est des expressions, c'est pas très facile, mais c'est vraiment vraiment utile. Donc faites les quiz si vous voulez, répétez, répétez, répétez. C'est comme ça que vous allez apprendre vraiment. Et en mettant 13 secondes par phrase, vous pouvez vraiment vraiment améliorer votre français. Ça va très rapidement, vous pouvez le faire à plusieurs. Donc essayez de le faire. Vraiment, c'est pour vous. Et profitez-en. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Passez un bon week-end et faites très très attention. Ne sortez pas, restez à l'intérieur. Mangez, dansez, amusez-vous, mais à l'intérieur. Merci, au revoir et à bientôt.